Salut tout le monde, c'est Setsky, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je vais pas trop bien du tout. Pourquoi? Bah parce que je tourne cet épisode à la suite du précédent. Et précédemment, nous avions perdu deux Pokémon. Et oui, hein, donc Carrie et Rex, donc alias Tyranidur et Carapuce. Oh là là, on les a perdus contre ces deux enfoirés là qui nous ont bien fait la peau la dernière fois, quasiment. Bon, on a réussi à les battre grâce à Ronflex, mais... De toute façon, je vous renvoie au dernier épisode, hein, vous verrez par vous-même, c'est assez triste. Et voilà, donc du coup, j'ai la dernière fois récupéré l'électro, donc le judokra que j'avais capturé dans les hautes herbes, j'ai récupéré, j'ai mis dans mon équipe. Et le galvaran, je l'ai remis dans le PC et je l'ai échangé... À la place de... j'ai mis... Oh purée, j'ai vraiment du mal à parler. J'ai mis Ténéfix à la place, pardon. Donc on l'avait capturé à la fin du dernier épisode dans la grotte. Hein. On était resté au début de la grotte, on n'avait pas fait grand-chose. Alors voilà, donc c'est à peu près tout. Donc après on s'était arrêté ici. On a exploré un tout petit peu l'entrée de la grotte, mais on n'était pas allé plus loin. Donc on va reprendre. Donc c'est parti, écoutez. Par contre... Ah oui, il m'a vu dans le miroir, ok. Par contre, comme vous avez pu vous en apercevoir, je pense, lorsque j'ai montré mes Pokémon, j'ai pas fait de level up. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait ça? Je ne sais pas. Clairement, je n'en sais rien. Ça se trouve, c'est une très grosse erreur que je suis en train de faire, mais... Mais bon. On va essayer d'y aller comme ça. Et au pire, ce 17e épisode marquera la fin du challenge. On ne sait pas, on verra. Oh là là, là je suis toujours aussi blasé que dans la partie précédente, c'est abusé. Oh là là. Lance-boue. On s'est réduit l'électricité. Ouais. Oh là là, les gens ça va vraiment être dur. Alors là, on s'en sortait bien encore une fois hein, jusqu'à maintenant. Depuis notre dernière défaite contre les deux Poifarelles, on s'en était bien sorti, mais là... Le doute revient, voilà, on ne sait pas si on va pouvoir s'en sortir, surtout dans cette grotte qui me laisse assez de mauvais souvenirs, on va dire. Pas mal de mauvais souvenirs. Donc, on verra comment on va s'en sortir. Alors, on a déjà capturé... Oh mon dieu, oh c'est moche. Oh le Kibutoki avec le rouge à lèvres, oh mon dieu, c'est horrible. C'est super laid. Franchement, ils auraient pu trouver autre chose pour marquer la différence de sexe, sérieux. Il en met son ennemi au tapis. Oulala, là là, j'aime pas cette attaque. Est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Oh non! Oh non! Possible. Oh. Oh putain de merde. Oh. Oh les gens, on a encore perdu un Pokémon. Mais il est sérieux, cet enfoiré. Putain, par Ronflex, mais par Ronflex, non. Oh, purée. Alors là, franchement, si vous aviez vu ma tête en ce moment même, là, c'est... Ah, je vais entrer en dépression, c'est pas possible. Oh, purée. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je retourne au centre Pokémon et... Bon, on va continuer un peu. On va voir si on peut s'en sortir un minimum. Oh non! Ça veut dire combat de horde. Oh là là. Est-ce que ça touche plusieurs adversaires?
On a un million des chances que Rusty n'échoue jamais. Ouais. Vendetta. Ouais. Frappe Atlas. Équivalent au niveau du lanceur. Ouais, bon, on va tester Frappe Atlas pour voir. Oh là là. Oh purée, il résiste. C'est sérieux? Ah les gens, ah je suis pas bien là. Ah, clairement les gens, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah non, je suis pas bien. Ah non, clairement je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Bon, ce sera vraiment un miracle si on arrive à sortir vivant de cette grotte. De horde, c'est vraiment chiant. Et en plus, je peux pas fuir. Génial. Oh là là. Oh, oui, là, je sais, je parle pas beaucoup, hein, mais... Mais là, clairement, je suis trop sous le choc pour pouvoir dire quoi que ce soit. Oh purée, on a perdu Ronflex, quoi. Sérieusement. On va switcher. On va mettre Guardi. En espérant que j'arriverai à les battre un peu plus vite. Ah, mais clairement, là, les combats de Horde... Purée. Je dis pas que c'était une mauvaise idée des développeurs, mais bon... C'est un petit peu chiant lorsque t'as pas d'attaque qui peut atteindre plein d'ennemis en même temps. Du coup... Du coup, ouais, ça rend le truc un petit peu longuet. Ouais. On va faire étonnement. Photocopie. C'est quoi ça? Petit storniole, ça m'affecte pas. Encore heureux. Oui, bon, ça devient long là. Allez. Ah, c'est vraiment ce que je déteste hein, dans les combats de Horde. Vraiment, ça, c'est chiant. Ouais. On va repartir sur du étonnement. Voilà, on va se les faire un par un. Machin, ça m'affecte pas. Photocopie, ouais. Allez, au revoir, voilà. On continue, c'est toujours aussi long. Je me demande si je ferai un accéléré sur la vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, par contre, je suis aux 8 minutes de vidéo, je suis encore au début de la grotte. Et honnêtement, j'ai pas envie de passer 2 à 3 épisodes ici. Donc je pense que je vais essayer de faire la grotte uniquement dans cet épisode. Ce qui fait que ce sera possible que cet épisode soit assez long. C'est totalement possible. Du coup, voilà, vous êtes prévenus. Il se pourrait que cet épisode fasse 40 minutes, voire 50 minutes, voire pourquoi pas même une heure, soyons fous. Mais clairement, j'ai pas envie de passer toute ma vie dans cette grotte, donc on va essayer de conclure ça dans cet épisode. Pour les Pokémon, on va les soigner. Est-ce que j'ai des potions ? Oh là là. Oh, Ronflard. Pourquoi il a fallu que tu partes maintenant? Et là, j'arrive même plus à parler. Voilà, je suis tellement sous le choc que j'arrive même plus à articuler correctement quand je parle. Ah là là. Ah, je crois que j'ai oublié un objet dans le coin. Nucleos. Normalement, je devrais pouvoir le tuer assez facilement. Normalement. Mais bon, on ne sait jamais avec ce jeu, hein. Ouais, bon, je pensais que j'allais faire le one shot, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave.
Ok. Est-ce que j'utilise des repousses ou pas? En même temps, c'est un bon moyen d'XP, donc peut-être que non. Oh, un rappel, ça me sert à rien de toute façon. Bon, on continue par là. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Un nodulite. Un nodulite. Étonnement. Et ça augmente la défense, ça, je crois. Augmente beaucoup, même. Ah ouais, d'accord. Ok, on va switcher. Electro, viens m'aider, s'il te plaît. Coup de boule. Ouais. On va faire... Vendetta... Attendez. Ouais. Bon, on va faire Vendetta. Allez, c'est parti. Coup de boue. Ah ouais, quand même. Ah oui, je viens de comprendre. En fait, c'est si l'adversaire que l'on attaque nous porte un coup, ben l'attaque Vendetta est deux fois plus puissante après. Ok, j'avais pas pigé. Ok, ok, ok. C'est bon à savoir, ça. Ok, bon. Croisons les doigts. Espérons qu'on reste en vie. Ah oui, par contre, elle, c'est une combattante. Du coup, elle a des Pokémon de type combat, sans déconner. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser notre cher petit Guardi devant. J'y ai pas pensé. On va switcher tout de suite. Piety seul. La vitesse baisse, ouais. On va faire Vendetta. Je ne suis pas hyper mal. Hein. Oh purée. Ah là là, c'est compliqué. Ah, ça l'affecte pas, d'accord. Ah, je pensais que les attaques de type combat étaient efficaces contre lui. Ah, c'est peut-être parce qu'il est de type spectre aussi. Oh, je sais pas, je sais plus, je suis plus sûr de rien. De toute façon, j'en ai rien à faire là, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Ah, mais ça lui fait rien. Les combos griffes, c'est combien? 18. Pff. Bluff, c'est combien? 40. Il fonctionne qu'au premier tour. Mais cela échoue. Putain, t'es sérieux? Bon, bah, les gens, on va forcément perdre un Pokémon, hein. Faut vous y préparer. De toute façon, là, j'avais pas le choix, j'étais obligé de le perdre. Voilà, juste. Bon. Oh là là.
Alors là, les gens, on est mal. On est vraiment, vraiment, vraiment mal. Là, je vais être honnête avec vous, je commence à me poser des questions sur la réussite de ce challenge. Est-ce que je vais vraiment y arriver ou pas? Là, je suis en train de clairement me poser des questions. Et à l'heure actuelle, avec un Galvaran, on peut pas faire grand-chose. Donc alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner en arrière. Et on va... Oula, on va faire attention à pas aller dans les hautes herbes, on va utiliser des repousses. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer les Pokémon que j'avais laissés à la pension Pokémon, comme je vous l'avais dit, à savoir le Machoke et comment il s'appelle, le Absol, voilà. En espérant qu'il soit... Ah mince. Un Snubbull. En espérant qu'il soit d'un niveau correct. C'est combien? 50. Bon. Oh, c'est tout! Alors là, les gens. Ok, on a encore perdu un Pokémon. C'est génial. Mais c'est n'importe quoi, cet épisode. Oh là là. Je sais que j'ai des super repousses. Bon, là, j'ai plus de Pokémon en forme. Bon, heureusement, il me reste encore celui de la pension, mais... clairement, là... ce challenge, là, je suis vraiment en plein doute par rapport à ça. Est-ce que je vais vraiment pouvoir le continuer jusqu'au bout? Là, je n'en sais rien. Là, clairement, je n'en sais rien du tout. Bon, on va prendre le vélo histoire d'aller plus vite. Alors, je vais juste récupérer le Ronflex pour débloquer le passage de l'autre côté pour pouvoir aller à la pension Pokémon. Alors, voilà, je vais le mettre à la place de Galvaran. Juste le temps d'aller récupérer les autres Pokémon un peu plus vite et après je remettrai dans le PC des Pokémon morts. Les gens, là, je suis pas bien. Ah, je suis pas bien du tout. Hein. Clairement, là, je suis pas bien du tout. Voilà. Ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tout ça à cause de ce combat double à la con, là, dans le 16e épisode. Juste à cause de ça. Voilà, ça commence à être la merde, juste à cause de cet unique combat. Juste à cause de ce combat, c'est la merde. Je vais utiliser des repousses, hein, j'ai oublié de le faire. Je sais que j'en avais acheté. Voilà. Bon. Ok. Ah. Bon, on va les récupérer. Alors, ils sont niveau combien? J'espère qu'ils ont bien augmenté. Travail, machin, machin. Récupérer un Pokémon. 30 et 25. 4 niveaux. Je m'attendais à ce que ce soit plus que ça. Ok. Kenji, 8 niveaux. Ok, bon bah du coup, on a un Pokémon niveau
30 et niveau 25, si j'ai bien vu. C'est pas trop mal. Mais là, clairement, je sais pas si on va pouvoir s'en sortir. Oui, je sais. Là, je parle pas beaucoup, hein, mais je sais pas. Là, clairement, je sais pas. Je suis en plein doute. Je me dis même, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer cet épisode ou pas? Là, je sais pas. Je me pose des questions. Oh là là. Par contre, j'espère que j'aurai pas besoin de force ou d'éclat de roc dans la grotte. Parce que sinon, là, je pourrais pas avancer, hein, vu que j'ai plus ronflex. Bon, on va voir. Hein. On fait gaffe aux herbes. Ok. On va pouvoir continuer. Bon, là, je pense, par contre, que je vais sérieusement XP... entre cet épisode-là et l'épisode 18, clairement. Je pense que là, il n'y a même pas besoin de discuter. Hein. Il faut que j'augmente mes Pokémon. Hein. Bon, du coup, je pense que je vais utiliser quelques repousses. Je vais utiliser quelques repousses. Et je vais mettre Kenji devant, histoire d'XP si je rencontre d'autres dresseurs. Et on va voir comment on va s'en sortir. Même si là, je pars pas du tout confiant, mais bon. Ok, donc ça, c'est quoi? Une pierre lune. Ok. Intéressant. Oh non! Toi, je crois que... Ah, t'es une top dresseuse. Ah, je pensais que c'était une dresseuse qui utilisait des Pokémon de type psy. Donc voilà, elle était de couleur violette. Je me suis dit, ok, c'est la fin. Oh, quoique, Dodio, c'est un type vol. Donc mettre Kenji devant, c'est pas une bonne idée. Bon, on va remettre Soul, du coup. Oh là 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 là. Bon, bah clairement, les gens, je pense que vous avez compris. Si on perd ces deux-là... le challenge est fini, hein. Vraiment, Soul et Kenji, ce sont nos deux derniers espoirs. Si on les perd, c'est tout simplement terminé. Donc, tranche, 70, taux de critique élevé. Alors sûr, c'est combien? 60. On va partir sur tranche. Ok. Galvaran. Ah, j'espère que t'as pas statique. J'espère. Bon, ça va. On s'en sort bien pour l'instant. Enfin, franchement, je vais juste me taire. J'ai vraiment la fermée. Je vais pas m'avancer plus parce que... voilà, ça m'a toujours porté préjudice, hein, ce genre de truc. Toujours trop m'avancer pour au final... pour au final faire n'importe quoi après. Je vais juste me taire et il a la trouille. Bon, tant mieux, surtout que j'avais choisi la mauvaise attaque. Donc, je vais juste me taire et jouer, c'est tout. On va rien faire de plus. Charme. L'attaque baisse encore. Bon, je pense qu'on va switcher sur, sur Machoke, du coup. Alias Kenji. Allez, vas-y, mon petit, sauve-nous. Coup de boule. Je regarde encore les attaques pour être sûr de mon choix. Coup rapide qui vise les pieds de l'ennemi et diminue sa vitesse. Ok, on va faire balayette. Normalement, ça devrait le one-shot. Enfin, le one-shot. Le mettre KO, normalement. Quoi? Il est pas de type normal?
Alors là, j'ai du mal à comprendre. Ok, alors là, je comprends pas trop. Enfin bon, c'est pas grave. Et Kenji monte au niveau 26. Wouhou! Non, je suis pas content du tout. Et Sol passe au niveau 31. Wouhou! Je suis toujours pas content. Oh là là. De toute façon, moi, j'ai pris ma décision. Cette grotte, je la ferai dans cet épisode en entier. L'épisode pourra durer 1 heure s'il le faut. Je m'en fiche! Je ferai cette grotte dans cet épisode et c'est tout. Oh, en plus, il faut force. Ah oui, mais c'est pour rejoindre la sortie. Enfin, de toute façon, j'aurais pas pu pousser le rocher dans tous les cas. Enfin, de là où j'étais, donc c'est pas grave. Ah, ok, elles sonnent nos Pokémon. Oh, c'est pas plus mal. Merci beaucoup. C'est vraiment pas plus mal. Donc, j'ai besoin. J'ai laissé mon fiancé derrière pour aller de l'avant. Ah bon, tu laisses ton fiancé comme ça, toi, normal. Midorina. Allez, dites-moi que j'arrive à le battre seulement avec Kenji, s'il vous plaît. Par contre, c'est son seul Pokémon niveau 26. Ah ouais, alors là, déjà, ça commence mal. Darvenin. M'empoisonne pas. Et. Mais alors là, je comprends rien, mais sérieusement. Mais j'ai loupé un truc ou. Attendez. Attendez, je vérifie un truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. J'utilise balayette, une attaque de type combat, c'est pas super efficace. J'utilise frappe atlas, une attaque de type combat, et c'est efficace. Enfin, c'est dégâts normaux. J'ai loupé un truc ou comment ça se passe? J'ai loupé un truc, c'est pas possible. Ah, à moins que Frappe Atlas ne tienne pas compte du type du Pokémon adverse, c'est peut-être ça. C'est possible. Je ne sais pas. De toute façon, je ne suis plus sûr de rien maintenant. Ok. Bon. On va re-soigner nos Pokémon. Ben, heureusement qu'elle est là, elle. Merci beaucoup, tu me feras économiser des potions. Ceinture noire. Bon, je suppose que c'est pour les Pokémon de type combat. De toute façon, je peux pas la faire tenir à un Pokémon, donc ça sert à rien. Oh non! 7! Avec Flash, les Pokémon sauvages s'attaquent moins. Cette capa m'inspire. J'espère que tu veux pas faire de combat, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que tu veux pas faire de combat. Je t'en supplie. Moi, pour garder le tempo, j'ai Flash dans la peau. Le combat, c'est pas trop ça. Je finis toujours KO, Flagada. Alors que toi, 7, t'es mon héros. C'est pour ça que je t'ai toi aussi dans la peau. Pas mal, hein? Tu m'as dans la peau. Ouais, ok. Merci, tu me fais flipper, toi. Ok, en tout cas, vous voulez pas faire de combat, donc ça m'arrange. Ça m'arrange et ça me fait plaisir, voilà. Corde sortie, ouais. Alors, lui, par contre, c'est un combattant, enfin un karatéka, enfin bref. Donc, il a des Pokémon de type combat. Du coup, on va laisser Kenji devant. En garde! Ah ouais, toi t'es cash direct, hein, c'est en garde, viens te prendre une dérouillée par mon caraculier. Ouais. Bon ben. Bon bah ben, je me dis merde, hein, et voilà. Vengeance. D'accord. D'accord. D'accord, Bon.
toute façon, j'ai pas le choix. Au revoir, Kenji. Bon bah, c'est mon dernier. Soul. Bon bah, les gens. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin. C'est la fin du challenge. C'est fini. C'est fini. Bon, j'ai réussi à le tuer, mais je pense que ça ne fait que retarder l'inévitable. Je pense que là, c'est complètement foutu. Je peux pas... je pense pas que je pourrais continuer avec un seul Pokémon. Ça me paraît pas possible. De toute façon, les gens, ça aurait servi à rien que... que je switch sur sur Soul lorsque j'avais Kenji, puisque de toute façon s'il avait fait son attaque vengeance, si j'ai bien lu, on va utiliser un point de repousse, s'il avait utilisé vengeance, je pense qu'il me l'aurait tué en un seul coup. Regardez, Machoke est de type combat, donc les attaques combat sont pas forcément super efficaces contre lui, c'est dégâts normaux. Et ça lui avait enlevé la moitié de sa vie. Donc si j'avais mis Soul, de toute manière, je le perdais d'un seul coup. Donc dans tous les cas, il fallait bien que je perde Kenji, c'était obligé. Bon bah... on continue l'aventure. Ah oui, merde, mais j'avais oublié qu'elle soignait les deux, du coup. Bon. De toute façon, si je perds Soul, l'aventure sera finie, hein, de toute façon. Donc là, bon, j'ai vraiment pas la tête à lire. Je veux juste avancer, c'est tout. Laissez-moi avancer, c'est tout ce que je demande. Et au coup. Morsure, ça va faire mal ou pas? Je suis pas sûr. Si, c'est bon, ok. J'avais un doute. Gringolem, d'accord. Oh là là. En disant ça va être compliqué en plus. J'ai que Soul là, donc... ce qui signifie que... ouais, vu que la prochaine arène c'est une arène de type combat, là je vais être mal. Hein. Donc faudra que je croise les doigts pour rencontrer un vrai Pokémon dans les... Enfin un vrai bon Pokémon dans les prochaines autres herbes. Oh là là, ça va être compliqué. Ah là là. Oh les gens, comment je vais faire? Là, je me pose des tas de questions. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors là. Mais alors là. Là, franchement, je sais pas. On avait pu faire un one shot, magnifique. D'ailleurs, là, je viens d'y repenser, mais je compte même plus le nombre de Pokémon que j'ai perdu depuis... Y a rien ici? On va utiliser... Ah, on peut pas utiliser le cherche-objet, ok, d'accord. Je disais, ouais, je compte même plus le nombre de Pokémon que j'ai perdu depuis l'épisode précédent. Oh, un combat double. C'est pas un combat double. Parce que sinon, comment je fais si j'ai qu'un seul Pokémon? Si, c'est un combat double, ok. Ok, bon bah du coup les gens, là j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé d'utiliser Kenji, j'ai vraiment pas le choix. Mais clairement, si je perds Soul dans ce combat, même si Kenji reste en vie,
l'aventure sera considérée comme finie. Donc bon, ne vous inquiétez pas, si je perds Saul, même si Kenji reste en vie, ça comptera pas. Donc bon, bah, le tout pour le tout, hein. Bah Kenji, n'importe quoi, voilà, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Piqûre. Ah oui, ah génial! Mais c'est génial! Mais c'est magnifique! Mais c'est magnifique, purée! Ah mais c'est génial ça, purée! Oh là là! Encore une fois. J'espère que l'autre Apirène là va pas utiliser une attaque trop forte sur mon truc. Bon. Ça va, ça. Et apparemment, il a l'air de viser que Kenji. Enfin, elle a l'air de viser que Kenji, vu que c'est une reine, n'est-ce pas? Hein? Hein? Oui, je fais des cours de français improvisés comme ça. Voilà. On va faire pour finir. Je pense que Vive Attaque ça devrait suffire. Enfin, j'espère. Voilà. Ouais, super, un Pokémon mort passe niveau 27. Ouh, la joie! On va fêter ton enterrement en musique. Bon, ben, du coup, on va retourner... Ouais. Par contre, je sais plus combien de repousses... Enfin, je ne sais pas combien de repousses il me reste. Bon, j'espère que je tiendrai au moins jusqu'à la fin de la grotte. Je vais juste retourner soigner mes petits Pokémon. Oh là 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 là. Le repousse est dissipé. Et j'ai plus de repousse. J'en ai plus. Oh non! Pas toi! Non! Oh non, pas toi! Allez, meurs! Oh purée! Oh là là, les gens, je suis... J'ai peur. Et j'ai peur. Oh, toi non plus. Ouais, toi, t'es l'un des bourreaux qui m'a défoncé la moitié de mon équipe. Toi, c'est à cause de toi que tout a commencé, espèce d'enfoiré. Tiens, tu vas payer. Allez, crève. Purée. Ouais, mais en fait, quand on y repense bien, c'est... Tout ça à cause de ce combat double à la con, là. C'est vraiment à cause de ça que tout est parti. Si j'avais réussi à continuer sans perdre le moindre Pokémon... Franchement, je pense que on serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Là, c'est vraiment à cause de ce combat double de merde, là, que tout est parti. Ah là là. Vivatech, ça peut être intéressant dans cela. Je pense qu'on va oublier poursuite. Ouais, allez, on va faire ça. Parce que bon, dans Slam, ça peut vraiment être intéressant, je pense. Oh non. Oh non, non. Encore un mec avec des Pokémon de type psy. Oh là là. Là, je suis aux 39 minutes. Bah, cette vidéo va vraiment durer longtemps. Du fer.
2. Et là, c'est quoi? Ah, c'est pour aller à la sortie. Je vais vite fait retourner en bas pour voir si j'ai pas loupé des trucs. Oui, je sais, c'est un peu suicidaire ce que je fais, mais bon. De toute façon, vu la situation dans laquelle nous sommes, clairement, j'ai envie de dire Osef. Voilà, Osef. Donc, nous sommes dans la merde, donc autant aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Dans Slam, c'est... augmente beaucoup l'attaque. Ouais. Provoque. Ouais. Donc je pense que c'est seulement pour... enfin, une attaque qui nous incite à utiliser que des attaques offensives, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Enfin, bref, je m'en moque. Je m'en moque complètement. Là, je me fous de tout. Hein. Clairement, là, je m'en fous de tout. On continue sur tranche. Armure. Ouais, si tu veux. De toute façon, c'est simple. Je fais un petit danse. Ah, d'accord. Je pensais que la provoque s'annulait si j'utilise... Enfin, si je tuais le Pokémon qu'il avait utilisé. Apparemment, non. Bon, c'est pas grave. Vendetta. Voilà, bon, encore une fois, j'étais à deux doigts de mourir. C'est super. C'est génial. Non, mais franchement, c'est la joie. Moi, j'ai envie de dire, c'est la bonne humeur. Voilà, on n'est pas du tout sur le point de crever en plein milieu de cette grotte. Voilà, le challenge n'est pas du tout sur le point de se terminer. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Tout se passe bien. Tout est nickel. Voilà, je suis pas du tout triste. Je suis pas du tout triste et je suis pas du tout apeuré en même temps. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va nickel. Tout va nickel. Donc sur qui je tombe? Ouais, nuclé machin. On va faire morsure. Puis au moins ce sera un bon moyen de level up. Si c'est vraiment nécessaire, j'ai envie de dire. Donc bon, autant aller jusqu'au bout. Voilà. Oh. À ne pas avoir de repousse, c'est chiant quand même. Hein. C'est quoi ça? Stasi? C'est quoi ce truc? Stasi, plutôt. Strasi. Ouais. Enfin bref, ce truc là, c'est quoi ça? Ok. Piège de rock, si tu veux. Si tu veux. Fais-toi plaise, fais-toi un kiff. Critique. Allez, meurs s'il te plaît, rends-moi service. On va refaire tranche parce que je sens que Vive Attack ça l'aurait pas tué. Voilà. Bon. Pas de Pokémon, s'il vous plaît. Mais franchement, mais pourquoi ils font des trucs comme ça? C'est un chemin qui nous mène vers un cul-de-sac. Mais c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça. Faut arrêter, Nintendo. Sérieux. Ah, et alors. Sauf le passe niveau 34, ok. Génial. Oui, bon, je pense que vous avez remarqué que là, je cause pas beaucoup, hein, contrairement à d'habitude, mais bon. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, la moitié de notre équipe est crevée, on n'a plus qu'un seul Pokémon, si on le perd, tout est foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, franchement, il n'y a juste rien à dire, quoi. Je peux juste constater, et tristement constater d'ailleurs. Tristement constater aussi qu'on est dans la merde par rapport à l'arène suivante. Je peux rien dire, il n'y a rien à dire. Clairement, c'est juste la merde. C'est tout simplement la merde. Et voilà. Voilà, c'est tout.
rien d'autre à dire. Mais vous allez arrêter de me saouler avec vos combats, là, purée. Ah là là. Allez, meurs, s'il te plaît. Rends-moi service, merci. Ah oui, c'est vrai, la sortie n'était pas là. Vite. Oh, purée. Monsieur Mime, oui. D'accord, c'est cool. Ok. Est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici? Ouais, super, un corillon. Génial. Ouh, c'est trop... Mais c'est trop la joie. Purée, mais c'est... Mais c'est trop l'ambiance ici, mais c'est énorme. Je suis trop content, je suis pas du tout énervé, je suis pas du tout déçu, voilà, j'ai pas du tout envie de me... Oh non. 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 Oh mais ils sont sérieux. Purée, mais on fait pas des pièges comme ça. Merde. Mais ils sont sérieux. Oh là là. Ah, bon. C'est quoi, ça? Oh non, si c'est comme l'attaque de Kubito de tout à l'heure, là, je pète un plomb. Clairement, je pète un plomb. Non, ça va. Je m'attendais encore à un truc du genre, ouais, si le Pokémon adverse meurt, mon Pokémon meurt aussi. Oui, encore un combat... Oh purée, pas toi, bouge de là, saloperie. Allez, casse-toi, merci. Ok, là je suis à 47 minutes, bah décidément. Bon, à l'heure actuelle, c'est l'épisode le plus long de la série, hein. Un Odulite. Oui, pression, d'accord, si tu veux. Génial. Coup de boule. Ouais. On va finir avec tranche, voilà. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Oui. Oh non, c'était un dresseur. Pourquoi je suis pas passé à côté, tout simplement? Mais quel triple buse je suis! Bon ben... Bon ça va, j'ai mis KO, c'est cool. Pour l'instant. On va voir si ce sera pareil pour les deux autres. Krabicog, bon déjà ça ce sera moins marrant. Feinte. Ouais. Ok, ça c'est cool. C'est quoi? What? Excavaren. Il ressemble à rien en plus, il est ultra moche. Je sais pas c'est l'évolution de quoi, mais... Ah, je crois que c'est sa pro, l'évolution de sa pro. Il est hyper laid. Il est tout simplement ignoble. Il est hyper laid. Franchement, ça devrait être interdit de faire des Pokémon pareils. C'est juste ultra moche.
Ok, Saul passe niveau 35. Ouh! C'est génial! C'est super! C'est magnifique! C'est trop la joie! Ouais, je suis trop content! Alors là, par contre, je suis pas le con. Je sais que ça nous ramène encore au début de la grotte si je passe par là. Ok, bon, ben les gens. Nous sommes à Yang 13, mais dans un état vraiment pitoyable. Je vais aller directement aller au centre Pokémon, je parlerai au PNJ plus tard. Alors là, les gens, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous, pour que vous puissiez comprendre qu'on est vraiment mal. Là, clairement, on est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Pas du tout. Je vais mettre le match choc dans la boîte des Pokémon morts. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Pokémon morts. 10 Pokémon morts, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont 7 en 2 épisodes. Alors là, c'était vraiment un carnage complet. C'était un carnage total. Franchement, je me dis, est-ce que c'est vraiment la peine de continuer ce challenge? Est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout? Je sais pas. Là, je me pose vraiment des questions. Enfin bon, en tout cas, c'est ainsi que s'achève le 17e épisode de ce Let's Play. C'est pas... Enfin, ça s'achève pas trop dans la bonne humeur, mais bon. On va voir si je vais m'en sortir par la suite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, les gens. Et je vous dis à la prochaine. Salut!